bonne adresse. Tu te souviens? Ah, c'est la bonne adresse. Tu vois comme quoi? Ah, en fait, ouais, ça donne envie de revenir. On voit comment, hein? Bah, bien entendu. Non, mais euh, ah, Moustapha nous rejoint. Ah, Mousse, Mousse. Bravo. C'est bien arrivé, ouais. C'est bien arrivé. 11 épreuves, 0 clé. Attends, là pour le coup, t'as même pas paniqué, alors que j'en connais qui ont paniqué. Merci. Ouais. Franchement, non, non. C'est gentil de reconnaître. Oui, je sais, que deux indices, je sais bien, je sais bien. Donc un troisième là peut-être. Et chez Maître Willy Revelli, c'est Moustapha. Ah, ah, sympa. C'est pas comme si j'avais fait plein de trucs fous. Non, t'as pas choisi. Ah, allez. T'inquiète, on va le faire ensemble. Allez, ça va. Non. Phobie de quoi? Respire. Voilà, ça va bien se passer. Allez, bon appétit. Allez. Allez. Ça y est. On a réservé pour deux. Vous êtes déjà là. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ah, attends, alors, 3, 4, parce qu'on est entre nous. Oui. 3, 4. On est vraiment bon. Bien. Ouais, ouais, c'est ça. Sans elle. Attends, 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 attends. Qu'on soit blanc ou noir. Plus belle la vie, eh. Alors ici, c'est autre chose que le Mistral, ma cocotte. Je peux te dire qu'ici, vous êtes chez Willy Revelli. Elle est très stressée. Mais non. Oh, tu plaisantes, c'est de la gnognotte. Bon, alors, Moustapha, vous êtes originaire de... D'Italien, je suis. Elle a trace. Elle a trace. Non, je suis d'origine marocaine. C'est marocaine. Ouais. Eh ben, c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, j'ai une spécialité chinoise. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de Fabergé. C'est un... Eh ben, vous ne savez pas si bien dire, parce que cet œuf-là... C'est un œuf qui s'appelle un œuf de 100 ans. Pourquoi il s'appelle 100 ans? Mais il est vivant? Parce que... Il y a un poussin qui sort. Mais non, il est pas vivant. Regardez. Qu'est-ce que ça. C'est que ça? C'est un œuf chinois. Là-bas, cet œuf que vous voyez là... On va l'envoyer là-bas. On le met sous la cendre pendant 100 ans. D'accord. Et au bout de 100 ans... Mais il y a un truc qui bouge à l'intérieur. Mais pas du tout. Regarde, regarde, rien du tout ça. Et cet œuf-là, là-bas, en Chine, on le mange uniquement pour les grandes occasions. Oh, alors, comme ici, c'est quand même une grande occasion, c'est quand même pas tous les jours que vous venez me voir, je vous offre donc un œuf de 100 ans, mais que là-bas, on appelle, quand tu l'auras dans la bouche, tu feras moins le malin. Et croyez-moi, je peux te dire que là, vous ferez moins le malin. T'as pas une petite tomate moutarde bon. Ou... Allez, 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 on mange. Allez, ça va, on hein mange. Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais entier en plus. Ah bah évidemment, c'est pas la moitié d'un. Pas du tout. Oui, c'est attendez, horrible. Attendez. Et je vous reçois quand même. Est-ce que vous auriez avec... envie de goûter éventuellement me... Écoutez, là, chacun le sien parce que je veux pas de jaloux. Allez, vite. Ça tu manges tout. Tu manges tout. Attends, attends. Oh, putain, c'est l'odeur. Allez, on y va. C'est parti. On est obligé. Allez, on mange. Si tu veux. Allez, Letty. Vas-y. C'est bon? Ouais, ouais, ça va être mieux. Ah, c'est dur, allez. Il manque juste la mayonnaise. Oui, mais ça a quel goût? D'œuf. Ah, putain, je t'ai gueulé. Un œuf pour 300 ans. Un œuf. D'où le nom. Allez, c'est très bien. Allez, on y va. Allez, dépêchez-vous. Allez, Letty. Démange ton œuf, Letty. C'est tellement belle à la base que là, avec toutes ces grimaces, ça gâche tout, hein. L'association, pense-y. L'association, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Attention. Ah, c'est bon, hein. C'est trop tard. Ah, oh là là, c'est trop tard. Mais attends, on l'a mangé, on l'a mangé. Non. Toi, tu l'as pas avalé. Elle a rien mangé. Je te dis qu'on l'a mangé. Je m'en fous. J'ai récupéré le regard. Je te parle, tu m'embrasses, tu l'as vu depuis longtemps. C'est dégueulasse. Oui, je récupérais les restes pour la boule qui lui de toute façon mange tout. Tant pis. Ah, c'est dégueulasse. Vous êtes vraiment des fines bouches, allez-vous-en parce que vous ne connaissez rien à la gastronomie. Partez, non, je veux même pas manger, je veux pas vous embrasser. Mais mangez-le. Allez-vous-en. Allez-vous-en, de la qualité, des mois de travail, des années de travail pour ça. Ça avait l'air bon pourtant. C'est pas bon. Non. Parce que tu sais que normalement c'est vraiment un plat considéré comme. C'est un maître stylé. Fin de la course aux indices, puisque le gong a résonné il y a un instant. Ce qui veut dire que vous avez uniquement en votre possession. Passe-partout. Deux cartouches. C'est pas beaucoup. Pour la salle du trésor, sincèrement, je pense qu'il y aura des sacrifices à faire, tu sais, toi qui es déjà venu au proscenium. Nous verrons ça tout à l'heure. Place tout de suite au conseil où nous allons retrouver. Allez, c'est parti.